une belle soirée féerique avec tous les feux. C'est un bon départ pour la candidature de Clermont-Ferrand pour 2028. L'audace a été mise à la manœuvre et c'est une vraie réussite. Là, ça change de ce qu'on a l'habitude de connaître. Ambiance familiale, beaucoup de Clermontois réunis, on peut faire des rencontres sympas, c'est bien. Magique. Magique, tout simplement magique. Plutôt bien sympathique, ils ont bien aménagé dans tout le parc. Il y a des trucs pyrotechniques un peu partout. C'est vraiment agréable à regarder et à se balader ici. Je trouve ça sympa, c'est vachement original et on n'a jamais vu ça à Clermont. Bah, je trouve ça vraiment très sympa. En plus, avec Clermont derrière, c'est vraiment joli. C'est poétique, c'est plein de gens, tout le monde a l'air heureux, il y a du bonheur. C'est exactement l'idée d'effervescence, c'est-à-dire qu'il y a de la rencontre. C'est des instants artistiques, mais c'est aussi des instants conviviaux, collectifs. Et la capitale européenne de la culture, c'est cette forme-là qu'elle aura. Les gens viennent me voir, me disent qu'ils sont contents, nous remercient de cette position dans le parc. Et ça marche très très bien, donc tout le monde est ravi. Je vois que des gens qui ont du bonheur. Je suis sûr que vous êtes ému quelque part. Ouais, je suis pas ému trop, mais je suis super content.